En octobre dernier, Elsa Silberstein était à l'affiche du film Simone, le voyage du siècle, le biopic sur Simone Veil réalisé par Olivier Dahan. Un film qui a ému de nombreux spectateurs, en témoignent les nombreux messages envoyés à l'actrice. Un film qui a marqué l'année 2022. Le 12 octobre dernier, Elsa Silberstein a incarné Simone Veil dans le film Simone, le voyage du siècle. Ce biopic, réalisé par Olivier Dahan, revient sur le destin hors norme de celle qui a notamment permis de légaliser l'avortement en France. Un rôle bouleversant qui aura marqué Elsa Silberstein à jamais, quand vous rentrez dans le destin d'une femme comme Simone Veil, que vous marchez dans ses pas, que vous étudiez ses combats pour les droits des femmes, pour la dignité en prison, les malades du sida, l'Europe et, bien sûr, pour légaliser l'avortement, cela force le respect. Chacune de ses prises de parole a été, pour moi, une leçon de courage, de pudeur, d'intelligence, d'humanité. Elle m'a beaucoup apporté, a expliqué l'actrice lors d'un entretien accordé aux Échos. Il fallait 4 heures pour me maquiller en Simone à 35 ans et 7 heures à 87 ans. Pendant un an, j'ai étudié chaque geste, chaque battement de cils, de cœur. J'ai appelé le centre Tomati pour apprendre à parler le Simone comme une langue étrangère, a-t-elle également confié. Vous m'avez donné du courage. Suite à la sortie de ce biopic, Elsa Silberstein a reçu de nombreux messages qui saluent sa prestation. Samedi 4 février, l'actrice a partagé un message qui l'a particulièrement émue. Dans ce long message, une jeune femme de 32 ans, qui passera prochainement le concours de la magistrature, confie notamment avoir été choquée et attristée par l'absence d'Elsa Silberstein au César. Vous m'avez bouleversée dans ce si beau film. J'ai vibré, j'ai pleuré, j'ai souri. Je voudrais regarder ce film encore et encore. Vous m'avez donné du courage à travers votre rôle, a expliqué l'étudiante. Un beau témoignage qui n'a pas laissé l'ancienne compagne d'Antoine de Caunes indifférente, pour le partage. Merci encore pour tous vos messages extraordinaires, si beaux et porteurs d'espoir. C'est vraiment bouleversant. Merci à tous pour vos mots qui me remplissent de joie, a écrit l'actrice. Un message émouvant.